quand tu arrives devant une émotion, il y a comme une... ça devient automatique, hein? L'émotion, elle arrive, tu es en réaction par rapport à ça. Que ton émotion soit plaisante ou qu'elle ne soit pas, il y a une émotion. Tu réagis par rapport à l'émotion. Bon, le but ultime, là, mettons, là, c'est son... le but ultime de l'expérience humaine, c'est d'arriver à voir l'émotion arriver, la regarder, et puis d'être en accueil avec ou être en action avec, et donc en interaction avec, pour maintenir un flou pour qu'elle puisse sortir de toi. Je m'explique. Le 99,9% du temps, on réagit par rapport à quelque chose. Ah, tabarnam, on va les retarder. Comme là, je suis allée répondre. On va les retarder. Ah, je vais manquer ma connexion. Ah! Et puis là, tu sais, bon, toute la patente. Je suis en réaction. Ouais, là, je m'en vais en voyage. Je suis en réaction. Je suis en réaction. Elle est plaisante, ma réaction, mais c'est une réaction pareille. Puis c'est correct. C'est tout aussi correct que d'être dans cette réaction-là où j'étais comme « Ah, mon mode est retardé, maudit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manquer ma connexion. » Les deux sont valables. Les deux, c'est la même affaire. Les deux se valent autant l'une que l'autre. Sont sur le même point d'égalité. C'est juste qu'une est au bout de la tu sais, les kabooms qu'on appelait, là. Tu sais, au parc, là, un s'assoit d'un bord, puis l'autre s'assoit de l'autre bord, là. Les balançoires kaboom qu'on appelle. Chez nous, on appelle ça kaboom. C'est la même affaire. L'équilibre, il est au centre. Fait que moi, si je peux arriver à être dans cet équilibre-là en tout temps, ça, c'est, mettons, c'est mon but d'humain, tu sais. Parce que c'est ça que c'est d'être zen. C'est ça que c'est d'être un moine bouddhiste sur le mont Everest en petite jaquette puis pas avoir fret. Tu vois, ce genre. Peu importe ce qui m'arrive, je le vois comme un cadeau. C'est tout ce que c'est. Puis quand tu vois ça comme un cadeau, t'es dans le flow. Puis être dans le flow, c'est d'être en interaction avec ce qui se passe. Je suis plus réactif à rien. J'ai pas besoin de réagir à quoi que ce soit. Oh, mais la vie, c'est plate. Non, la vie, c'est pas plate. Ça peut pas être plate si tu le sais pas. Parce que, soyons honnêtes, 99,9% du temps, qu'est-ce qu'on fait? On réagit par rapport à la vie. Fait que quelqu'un qui me dit, mais là, c'est plate si la vie, elle peut pas être vécue. Ouais, mais là, si tu te bases sur quoi? Sur ce que tu as vécu toute ta vie? Sur ton 99,9% du temps? Avouons-le. Être en réaction. Est-ce que ça fait que ça fulfill ma vie? Est-ce que ça fait que je suis dans un état d'équilibre, de paix intérieure, de bonheur? Parce que le bonheur, là, c'est pas la joie extatique de savoir que c'est ta fête puis tu as reçu un gros gâteau au chocolat puis une paire de billets pour aller au show que tu voulais. Tu es en réaction par rapport à ça. Puis là, comme j'ai acheté mes billets pour mon voyage, ah, je suis tellement contente de jouer mon voyage! Wouh! Hey! Là, qu'est-ce que ça fait la réaction? C'est qu'elle va créer une anticipation. Là, aujourd'hui, j'arrive. Ah, tu vas manquer mon vol, mon voyage est foutu. Fait que là, ma réaction plaisante, oui, mais c'est le fun et plaisant. Elle l'est-tu vraiment? Elle l'est pas. Parce que là, j'ai anticipé par ma réaction
une éventualité virtuelle, je ne l'ai pas, puis qui m'amène aujourd'hui à vivre la polarité de ça, qui est « Ah, mon vol est retardé, puis là, je vais manquer ma connexion, puis là, je ne pourrai pas partir avant demain, puis là, tu vas-tu me faire rembourser, puis qu'est-ce qui va se passer? » Fait que la pratique, d'être dans une pratique constante d'accueil, c'est un cadeau. Fait que j'ai acheté mes billets pour partir en voyage. Quelle belle aventure! L'aventure se fait même déjà là. Je suis déjà en vacances parce que je suis déjà dans un mode où je prépare quelque chose de fantastique. Advienne que pourra. Le processus en lui-même est beau parce que je me permets à l'instant où je fais clic puis que je paye mon billet, je me suis permis une expérience nourrissante. Advienne que pourra. Puis là, ben, je suis arrivée à l'aéroport. Puis là, mon vol est retardé ou il est peut-être même cancellé. Magnifique. Ça me donne l'opportunité de me déposer là-dedans, de vivre mon expérience pleinement, puisque quand on est à l'aéroport, on est tout excité. On veut déjà être là-bas. Puis tout. Mais j'oublie que mon expérience complète, c'est tout ça. C'est du moment où j'ai décidé l'année passée de mettre des sous de côté pour éventuellement me payer un billet, pour éventuellement le processus de l'attente dans le... Tu sais, tout ça, là, c'est comme, justement, ce couple qui désire avoir un enfant, puis que tu fais pas juste son bébé pour dire, « Hey, quand on va accoucher, puis là, j'ai la sœur qui a 18 ans. Hein? » c'est l'expérience complète. C'est même avant, tu sais. Même avant de penser à concevoir ton enfant, du moment où tu rencontres la personne avec qui tu vas concevoir ton enfant ou l'expérience que tu as décidé d'engendrer par rapport à ça, c'est un beau projet. Fait que d'accueillir chaque expérience, d'interagir avec celle-là puis d'être dans l'action, plutôt que de réagir à ça. Fait que ça fait en sorte que chaque instant est là maintenant. Je le goûte maintenant. Je le laisse passer à travers moi. C'est un cadeau extraordinaire. C'est un exercice. Mais ça se fait. Ça se fait. Puis quand que ça arrive, les techniques de respiration. T'sais. Fait que même si, ah, ben moi, je suis pas capable de méditer. Mais surtout pas quand je suis stressée. Je te comprends tellement. Respect. Va dehors. Regarde les arbres. Regarde le pigeon sur le bord du trottoir. Ou juste regarde-toi respirer. Ah oui, ça fait partie de l'expérience. Ce n'est qu'une émotion. Ça fait partie de l'expérience. Chaque instant est savoureux. Puis quand tu le vis comme ça, que chaque instant est savoureux, tu l'accueilles comme un cadeau, bien là, c'est même plus juste d'être là-bas, sous le cocotier, qui est le cadeau. Mais non, c'est tout le processus qui est un cadeau. C'est encore plus. Puis ressenti, interagi avec l'expérience, en interaction avec l'expérience. Fait que je suis pas surprise, quoi que ce soit qui arrive. Puis si je suis surpris, cool, cadeau, à m'inviter à « Ah oui, c'est vrai, oups! » Pour un petit moment, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'étais dans l'anticipation. Ah oui, c'est vrai, j'étais un petit peu dans la réaction. Ah oui, tiens, ah oui, ça arrive. » C'est le beau cadeau. Belle expérience.